Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer un petit peu comment je vais faire, comment je fais. C'est la première fois que je le fais, vu que c'est la première fois que je termine ADP. Donc là, je suis en train de transférer mon stock de drills en fait dans ma petite boîte que j'ai acheté sur AliExpress, que vous avez vu lors de ma dernière vidéo sur le DP, lorsque j'ai fini le DP que vous voyez en dessous en fait. Mon DP Flash McQueen. Donc là, je suis en train de transférer donc mon stock dans mes petites boîtes. Voilà. Donc vous pouvez voir que pour différentes couleurs, j'ai plus de stock que d'autres. Mais voilà, les boîtes sont pas énormément grandes. Donc je vous fais la différence avec une boîte de Tic Tac. Voilà, vous voyez que elles sont beaucoup plus petites. Mais bon, pour l'instant de stock, ça va, à part pour mon 310 qui là, il va rester dans ma boîte de Tic Tac parce que j'en ai encore pas mal. Donc je note la référence DMC donc au Sharpie en fait. J'avais commencé à coller à noter au crayon sur une petite étiquette, mais je me suis dit, vu que c'est ce qui va me servir tout le temps, et voilà, ça risque de se décoller ou autre, donc je me suis dit bon, je vais noter avec un petit Sharpie dessus, comme ça ça restera et ça fait plus propre je trouve. Donc voilà, je vais continuer un petit peu avec vous. Là, je suis en train de transférer la couleur 823, donc j'ai noté mon 823 sur ma petite boîte, je les ai mis dans mon tray et on fait le transfert. C'est long, et là je m'aperçois qu'il y a une couleur qui n'est pas du 823 dedans, hein. Clairement ça se voit parce que c'est du blanc. Je sais même pas si c'est blanc rosé, je sais même pas si c'est une couleur que moi j'ai, donc clairement je la mets dans mon tas de déchets. Voilà, pas pour un drill que je vais pleurer. Donc voilà, je transfère. Je sais pas comment mettre pour veiller. Ouais, je vais dans le champ. J'espère que je serai pas trop à contre-jour quand même. Le brouillard est parti. On va avoir une bonne journée encore aujourd'hui. Une belle journée, ça va faire du bien. Et je profite, voilà, c'est mes derniers jours de vacances. Et Bibou est chez nous aujourd'hui. Donc je profite. Donc ça c'est bon. Donc après sur mon petit pilulier, j'ai juste enlevé ma petite étiquette, voilà, qui je remettrai pour mon prochain DP dessus. Donc le reste je pense que je vais vous faire en accéléré. Voilà, parce que bon, ça va être tout le temps la même chose. Hein. 898. Sharpie. Je sais pas si j'en ai d'autres, je pense que oui, j'en ai encore un petit peu dans un sachet, celle-ci. C'est ce sigle-là. 898. Donc je le rajoute. Et je vais récupérer le petit sachet. Mais bon, je trouve quand même plus pratique ça à ouvrir que ça. Ça, j'ai tendance à les arracher avec mes ongles. Et ça s'abîme à force d'ouvrir à chaque fois. Ouvrir, fermer. Donc on y va. On transfère.
La boulette à ma femme, je l'ai faite. J'en ai partout. J'en ai partout. Au secours. Boulette. Boulette meuf. Boulette time. Mais là, tu joues pas avec, là. D'accord. Ouais, ouais. T'as vu foutre de moi. C'est ça. T'as vu dire. Là, je suis pas gauche, là. Je vais pas lui tenter côté gauche. Donc je viens de finir de trier. Donc voilà, ça remplit que deux rangées quasi. Il y en a certaines où j'ai été jusqu'à faire trois boîtes parce que j'en avais beaucoup trop. Voilà, donc 315, 779. Voilà, j'ai dû prendre trois boîtes. Donc ouais, je vais essayer de continuer d'amasser des boîtes de Tic Tac pour les... Pour les stocks, j'en ai beaucoup comme ça. Pareil pour le blanc, j'en ai deux. Sinon, il y en a certaines, mais il n'y en a pas grand, il n'y en a pas beaucoup dedans. Parce que je vais essayer de... Par exemple, celui-ci. Mais bon. Voilà, comme ça, j'ai rangé par ordre chronologique. Ouais, dans cet ordre-là, je vais faire comme ça par vague. Et enfin, voilà. Vous voyez, j'ai encore de la place. Hein. Donc là, j'avais pour ce DP 25 couleurs. Le prochain, j'ai 35 couleurs dans le prochain, donc le prochain, là, je vais le préparer du coup. J'ai commencé à mettre mes petits autocollants sur mes boîtes de piliers. Donc, je vais faire ça avec vous. Donc voilà, pour le projet 15, voilà, c'est terminé, c'est en stock, c'est rangé. Là, mon prochain DP, c'est... je vous l'avais montré, je vous l'avais unboxé, il me semble. Donc c'est Tinkerbell. Voilà, donc c'est chez Huiken. Donc j'ai peur. Mais bon, il ne me manquait aucun sachet. Et là, les symboles sont complètement différents. Voilà, c'est là que je me dis que je vais galérer pour mettre sur ça. Parce que reproduire le symbole... Voilà, vous avez les... Oh, je sais pas comment vous montrer... Mais les symboles, voilà, pour les réécrire, et j'ai pas de feuille avec le DP. Voilà, j'ai juste mon canevas, mes sachets. Et même sur les sachets, il n'y a pas le sigle, il n'y a que le numéro DMC. Voilà, donc il va falloir que j'arrive à apprendre par cœur mes symboles, voilà. Que j'ai toujours mon... De toute manière, je l'aurai toujours sous les yeux, mon canevas, étant donné qu'il n'est pas bien grand. Celui-ci, c'est un 30 par 40. Donc, ça devrait aller. Donc là, je vais rajouter... je pense que je vais les mettre dedans quand même. Parce que... voilà, ils sont tout petits. Je vais à peine ouvrir que ça va exploser. Donc, voilà. Je vais faire ça. Je vais les ranger dans l'ordre. Déjà, est-ce qu'ils sont rangés par ordre des croissants? Oui, ça m'a l'air d'être dans l'ordre, donc je vais faire dans le même ordre que pour les classer. Ouais, je vais faire ça. Donc le premier, c'est le 154, faut déjà que je les retrouve. Hein. Je vais tous les sortir de mon sachet. Donc là, ça, voilà, ça me permet de changer de couleur, c'est très bien. Parce que oui, là, avec la grande surface que je faisais, bah, je le connaissais par cœur. Hein. Ma charte, je la connaissais par cœur, mais donc alors là, c'est un 154 qu'il faut que je trouve. J'ai le
Ah, c'est 415. Faut que je fasse attention parce que sur les sachets, il y a deux numéros. Enfin, trois. Voilà, vous avez un numéro. Donc, est-ce que c'est la 7415? Ah oui, donc ça aussi. Donc là, ça va me permettre de. Donc 7, 14, 16, 12, 4. Donc vous avez donc le numéro du sachet, vous avez le numéro DMC qui correspond et normalement le nombre de drills que vous avez dedans. Mais clairement c'est pas ça. Clairement il y a des fois où ça ne, non, ça ne correspond pas. Ça, 20. C'est léger hein, mais c'est pas, pour moi c'est pas le même violet. Ah, il est plus intense là je trouve. Hop. Ah, c'est ça qui m'embête avec ces sacs. C'est compliqué à ouvrir. Donc on va aller dans l'ordre. Hein. Donc le 154 on a dit. Donc je le note. Voilà, tout bêtement. Je vais venir chercher mon tray. Là, j'ai pas de gros sachets, donc ça devrait aller, ça devrait tenir dedans, je pense. Je pense. Il faut pas trop que je m'avance quand même. 154 qui a déjà été se mettre là au fond. Ça me fait penser que j'ai pas nettoyé. Voilà. Tout à l'heure. Chute. Donc le 4 on est bon. Après donc en 2 c'est le 63. Voilà, je viens de finir de remplir tout mon pilulier, enfin tout. Non, j'ai pas tout mis parce qu'il y en a certains, il y a certains sachets où j'ai vraiment pas beaucoup de wheels, donc ça sert à rien, je laisse dans les sachets. Ou à l'inverse, j'ai des sachets qui sont très remplis, donc j'ai rempli mon pilulier et j'ai laissé le restant dans le sachet. Tant que je finis pas le sachet, j'attaque pas le pilulier pour cette couleur-ci, mais enfin voilà. Donc je suis contente, j'ai quand même réussi à voilà, utiliser mon pilulier sans me retrouver dans la mouise parce que je n'en ai pas assez d'un. Parce que là j'ai quand même plus de couleurs que dans le précédent DP. Mais voilà, tout tient dedans, tout non, mais enfin, la majeure partie des couleurs tiennent dedans. Donc je suis contente et voilà, c'est déjà, ça me fait déjà pas mal de sachets en moins.
Voilà. Mais bon, les sachets, je les garde quand même au cas où que j'ai besoin dans un prochain DP ou autre. Sachant qu'il faudra peut-être que j'arrive à enlever les étiquettes dessus. Ouais, ça se pourrait, bof. Enfin, je verrai bien ce que j'en fais, si je les garde, si je les garde pas. Mais bon, je préfère quand même avoir des sachets en cas de DP où il n'est pas fourni avec des sachets zip, hein, parce que tous ne sont pas fournis par des sachets zip. Le projet que j'avais pris sur Amazon, c'était des sachets à découper, et voilà, après vous avez vos drills à l'air libre, hein. Donc c'est quand même bien de les avoir en sachet, c'est quand même plus pratique. Voilà, donc il y en a certains où j'ai vraiment pas grand chose dans les sachets, donc c'est pour ça que je les ai laissés dedans. Et d'autres, ouais, vraiment trop remplis, donc je préfère les utiliser quand ils sont à moitié plein, c'est moins risqué d'en perdre. Donc voilà, j'ai plus qu'à commencer mon nouveau DP qui, comme je vous l'ai montré, c'est là, ma petite Tinkerbell. Donc je verrai, il y en a plusieurs princesses Disney dans le même style, donc à voir si je les ferai toutes ou pas, et à voir si cette taille me convient. Voilà, de toute façon je vous l'avais montré, il me semble, celui-ci, mais vous n'allez pas voir grand chose, mais enfin la charte voilà, est beaucoup plus compliquée, beaucoup plus complexe que mon précédent, donc je vais devoir m'y référer à chaque fois et vraiment travailler couleur par couleur, parce que voilà, c'est un petit peu compliqué. Donc je verrai si je le commence ce soir ou pas, et je vais vraiment avoir besoin de ma lampe en dessous, enfin de ma tablette lumineuse en dessous, parce que les symboles sont vraiment serrés, et c'est des symboles complexes les uns à côté des autres, donc je vais vraiment avoir besoin de ma tablette. Ma tablette est pas du tout en dessous là, donc je peux pas vraiment vous montrer, mais enfin j'essaierai de le débuter peut-être avec vous, celui-ci, je vais voir, mais je vous en reparlerai prochainement. Je pense que je serai beaucoup moins longue que le précédent. Donc voilà pour cette vidéo, comment je trie mes drills, mes rangements, tout ça, comment je fais pour m'y retrouver. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être pas d'épée, mais pour une prochaine vidéo. À dimanche, ciao.